Voilà les gars, je suis à Rennes, donc là c'est la ville de Rennes qui est derrière moi. Ça fait 20 minutes que j'attends qu'il arrête de pleuvoir, il est arrêté de pleuvoir, du coup je vais faire voler le drone tout de suite parce que je pense que ça va revenir d'ici 20 minutes. Là il y a du soleil, donc je vais en profiter maintenant et je vous montre des images drone. Voilà, j'espère que ces petites images drone vous auront plu, ça a duré vraiment que 20 minutes. Du coup j'attends un peu au chaud parce que c'est vrai qu'il caille beaucoup, il fait 3,5 degrés, c'est pas beaucoup, mais ça vient, ça repart, du coup il y a peut-être un moyen que je vois des petites éclaircies, donc il y a peut-être moyen que j'aille faire peut-être même un tour à pied, un grand tour à pied, je pense que je vais faire ça. Je me tâte à prendre le drone avec moi au cas où s'il y a une éclaircie que je fasse voler le drone, donc je prends mon 24-70 les gars, de 8 avec mon S1, je vais prendre le drone, le Mavic Mini. Je vais faire un peu le tour, je sais que j'ai des points de vue qui ont l'air sympa ici, donc voilà, donc j'attends un peu, il est 41, j'attends 13h, comme ça je repère aussi les lieux sur Instagram, genre des lieux qui sont sympas à photographier, je sais qu'il y a un petit pont qui a l'air sympa, il y a un stade là, je l'ai fait, après c'est que des plans drone, après les photos en général, mais je sais qu'il y a une randonnée à faire là-haut, mais je vais pas la faire, j'essaie de repérer un peu des endroits pour pas que je me perde, et puis on va marcher, on va essayer de se perdre, le but c'est quand même que je me perde et que je prenne des photos qui changent de l'ordinaire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, c'est bon, et il est 13h et il a arrêté de pleuvoir, vous voyez, il y a un ciel bleu qui arrive, donc c'est parti les gars, je vais visiter un petit peu Rennes, la ville, la première ville aux îles Lofoten que je visite. Il fait froid, hein. Genre je vais mettre deux jogging même. Donc le but c'est marcher, voir un petit peu le village. Je sais pas ce que c'est ce genre de pilotis, mais il y a marqué no camping, donc Ah, si vous savez, dites-le moi en commentaire. Donc ouais, c'est sans doute pour construire des maisons, puisque regardez là, il y a des petits outils comme tout à l'heure là. Ça se trouve c'est pour construire des maisons ou alors des trucs, des ports pour bateaux, j'en sais rien. Mais c'est magnifique, hein. C'est très beau. J'ai oublié de prendre des vidéos. Toujours en contre-jour, ça c'est un truc qui est important. Putain, mais j'ai déjà plus de batterie. Putain, la batterie, en fait, il fait tellement froid que les batteries descendent trop vite. Bah les gars, je vais essayer de vous faire un max d'images de la ville. Voilà, si jamais je peux plus vlogger, parce que là je suis pas dans ma voiture, du coup je peux pas recharger les batteries. Je vais essayer un maximum de faire des vidéos, des photos. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc là je retourne dans la voiture, comme ça va me permettre de recharger. Ah, je vais aller voir là-bas. Ça va me permettre de recharger un peu les batteries. Mon but c'est littéralement de m'arrêter à chaque parking. Là j'ai fait 100 mètres. J'étais là-bas. J'ai fait 100 mètres, je m'arrête. Et je vais reprendre des photos, parce qu'il y a des points de vue du coup qui sont intéressants, donc on sait jamais les gars. J'espère que cette vidéo vous plaît aussi également, n'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à réagir en commentaire, ça c'est plus important. Le petit like, ça me fait extrêmement plaisir, parce que vraiment je me démène pour essayer de faire un maximum de contenu pour vous les gars. We'll be right back.
Bon les gars, j'ai trouvé un spot plutôt chômé, je sais pas comment on dit. Donc là je suis tout seul, hein, y a la route qui est à côté, mais regardez, foire, hein, j'ai une vue sur, sur la mer, sur l'océan. Et tout là-bas en face là, c'est la Norvège. Ainsi on peut légèrement apercevoir les montagnes, mais c'est subtil. Hein. Et du coup bah je vais dormir ici, non, j'ai le droit de dormir ici, c'est un spot. Mais c'est assez accidenté, du coup c'est assez... Dur, j'ai manœuvré pour rentrer, mais waouh, incroyable. Du coup, c'est cool, là il est 16h, le soleil il se couche déjà là-bas, regardez. Incroyable, il y a des photos sympas à faire. Et là, c'est trop bizarre les gars, dans ce chemin là. Ici là, genre il y a plein d'os partout, regardez. Il y a ça partout. Genre c'est trop bizarre, genre il n'y a pas de corps en décomposition, c'est juste des os. Des os partout. C'est des os genre d'oiseaux, j'ai l'impression. Ça c'est des os ça. Alors je me demande ce que c'est. Ou alors ici ils attachent des, je sais pas, des animaux, j'en sais rien. Mais ouais c'est trop bizarre. Et il y en a partout dans le chemin, juste dans le chemin là. Et ouais c'est chelou. Mauvaise ambiance là. Donc ce que je vais faire c'est que je vais pouvoir me promener un petit peu aux alentours. J'ai repéré un spot qui est là-bas qui est ultra cool pour ce soir s'il y a des aurores boréales. Là il y a ici qui est ultra cool aussi. Je vais marcher un petit peu pour voir s'il y a d'autres spots assez cool pour les aurores boréales. Mais voilà, au cas où si imaginons qu'il y a une éclaircie ici. Eh bien, je pourrais shooter par ici ou même de là-bas. S'il y a une éclaircie plus haut par là-bas, je vais aller dans un autre spot qui est pas très loin, à 50 mètres à pied. Donc, au final, je suis très bien placé. S'il y a des aurores boréales, voilà. Les gars, j'ai à peine fait, je pense, 10 km depuis hier. Je m'arrête partout. Je sais pas combien de photos j'ai. Je vais vous dire combien de photos j'ai fait. Ok, je suis à 400 photos vidéo sur ma caméra. Je dois être une centaine sur les drones, donc c'est plutôt pas mal. Demain soir, faut que je mange dans un camping. Faut que je prenne une douche. Faut que je recharge toutes les batteries de drone, etc. Et surtout, faut que je recharge en eau. Il faut que je fasse ma vaisselle. En vrai, c'est ça qui est trop chiant avec un van comme ça qui n'a pas d'eau chaude et qui a que 30 litres d'eau de réservoir. On peut pas faire de vaisselle parce qu'on utilise toute l'eau ou alors faut recharger rapidement et bah il y a pas d'eau chaude. Ça aussi, c'est vraiment très très chiant. C'est pas forcément simple, mais voilà. J'ai remarqué que ici le soleil se couche vachement tôt. Là par exemple, il va se coucher à 17h30, 18h. En fait, les jours sont très courts ici. Les jours sont très courts, donc faut en profiter. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est que là par exemple, on a un beau spot pour prendre une photo des aurores boréales cette nuit quoi. J'ai envie de faire un timelapse de la Voie lactée aussi. Ça c'est un but, mais j'aurais dû avoir une deuxième caméra, genre un GH4, un truc comme ça. J'aurais dû le prendre. J'ai hésité à le prendre, mais j'aurais dû. Ce n'est pas grave. Donc là, vous voyez, le soleil est déjà couché au niveau des montagnes. Et il est que 16h15. Voilà, il est 4h15 et le soleil est déjà couché. Tout ça pour vous dire que il se couche tôt, mais regardez-moi cette vue. Putain, je suis trop bien. Trop heureux. Faut que je fasse aussi des photos, donc n'hésitez pas, vous avez un code promo. Je crois que c'est GeoThomas10 pour avoir 10% sur les prix outlet sur Geographical Norway. Donc n'hésitez surtout pas, le lien est dans la description. Enfin, le code promo est dans la description plutôt. Donc vous avez, en fait, il y a des prix outlet. Donc c'est des prix qui sont déjà en rabais et vous avez 10% sur ça. Donc là, ça vaut vraiment le coup si vous voulez vous faire avoir des beaux habits. Il y a des beaux pulls, il y a des beaux. Moi, c'est un blouson que j'ai acheté ça. Il est super cool, il est super confortable. Il résiste à l'eau, il est chaud. Bref, il est tout ce qu'il faut. Donc n'hésitez pas à aller checker ce qu'ils proposent. Ils ont vraiment plein de vêtements. Et c'est des vêtements vraiment techniques. Donc n'hésitez surtout pas, c'est de la bonne cam. C'est de la bonne. Ben, c'est parti les gars, je vais faire une petite séance photo pour Geographical Norway. J'ai vu qu'il y a un beau coucher de soleil. Il y a des belles couleurs. Hein. Donc on va aller faire ça tout de suite. J'aimerais trouver quelqu'un qui fasse aussi des photos comme moi là. Là je m'aurais dit vas-y, on fait une session, je prends plusieurs pulls, on va dans plusieurs spots, moi ça sera fait quoi. Enfin bref. Et les gars, je suis trop content des photos, vraiment ça rend trop bien. Ah, n'hésitez pas à venir sur Instagram pour voir un petit peu les backstage. Donc là les gars, en fait je fais des photos et je vais faire en fait des vidéos que je mets sur Instagram parce que la marque me donne des vêtements, du coup c'est cool de faire du contenu pour eux. J'espère que vous voyez un peu les backstage, c'est sympa. Donc en fait, comment je fonctionne pour faire ça tout seul. Je me suis mis en mode photo les gars, mode timelapse. J'ai fait ma mise au point sur le rocher où j'ai mis les pieds tout simplement. La mise au point est faite, la mise au point ne bougera plus. Du coup j'ai fait un timelapse de une photo toutes les secondes. Donc toutes les secondes il y a une photo qui prend. Du coup j'ai juste à me mettre là-bas, faire toutes mes poses que je veux et puis voilà. J'ai ma photo. Voilà, vous avez un peu le petit tips quand je fais des photos tout seul. Donc c'est en mode timelapse. Je laisse l'appareil faire et puis après je trierai derrière sur ordinateur. Je vais faire voler le Mini 2 une dernière fois. J'attends qu'il recharge encore bien les batteries. Puis je vais le faire voler une dernière fois. Là parce que là c'est vraiment magnifique. C'est vraiment très beau. Bon les gars, il commence vraiment à faire très froid. J'ai pris le drone, on va faire voler le drone. Et j'ai fait la connaissance de deux Français là, le camping-car.
J'ai pas leur prénom, je vais leur demander leur prénom. Super sympa, ils m'ont proposé une bière, donc je vais aller boire une petite bière, les gars. Et je vais leur montrer le drone parce que ça leur intéresse de peut-être acheter un drone. Ils ont prévu faire le tour du monde, du coup c'est grave cool. Bah, écoutez, je pense qu'on va passer une très très bonne nuit encore ce soir, en espérant qu'il y ait des aurores boréales. C'est vraiment le but. Bon bah les gars, je crois que c'est validé, il va acheter un drone. Il a trop kiffé le drone. Du coup, je vais lui montrer aussi le gros, le R2S, je vais lui montrer le Mini 2. Je lui conseille plus le Mini 2 parce que il est vraiment petit, puis il est cool, il est vachement cool. Et du coup là, il m'invite à l'apéro, donc on va manger du saucisson, une petite bière et quoi, au calme. Donc là, je vais ranger un peu le van. Genre, je vais tout mettre dans le van et puis et même s'il m'invite à manger, trop cool. J'adore les expériences comme ça. De toute façon, c'est bon, moi j'ai tout rangé, je suis bien. Bah écoutez, parfait. Les gars, faut que je vous raconte là. Vous savez, j'ai rencontré deux personnes, un couple de camping-car, donc Nicolas et Sophie, si je dis pas de bêtises, si j'ai bien retenu. Et bien écoutez, ils m'ont invité à boire l'apéro. Du coup, j'ai bu deux petites bières, là, manger du saucisson, c'est trop bon. Merci encore à eux. Donc si ils voient cette vidéo, merci à vous, vous étiez vraiment incroyable. Ils m'ont même invité à manger, du coup on a mangé ensemble. On a mangé un petit steak purée, c'était... Oh les gars, manger du steak, oh là là, c'était trop bon. Oh, rien que le goût de la viande, oh là là. Après on a mangé du fromage, oh là, du vrai fromage. Oh là. Et ils m'ont offert du chocolat. Donc là j'ai une petite tablette Milka, les gars. Et là j'ai des bonbons au chocolat, donc d'ici, enfin de norvégien. C'est super gentil de leur part, franchement c'était super super cool. Donc on a mangé dans leur camping-car, c'était grave cool. Donc bien sûr j'ai pas tout filmé, j'ai voulu vraiment en profiter. C'était vraiment une super expérience. Donc merci encore à eux. Si vous regardez cette vidéo, je vous passe le bonjour. Vraiment vous étiez incroyables, j'ai vraiment passé un super moment. Là je vais ranger mes affaires. Ce soir je pense pas qu'il y aura des aurores boréales parce que là il fait vraiment... Il pleut là, carrément il pleut. On voit pas d'étoiles, il y a rien. Donc écoutez, je vais attendre le temps de tout ranger. Je pense que ça va durer une heure ou une demi-heure, je pense. Une demi-heure. Je vais commencer à décharger tout ce qui est drone. Au moins ça sera fait parce que là je vais pas faire voler le drone. Je vais en profiter pour le recharger à fond. Et puis voilà les gars, voilà. C'est juste pour vous dire que j'ai passé une incroyable soirée. J'ai mangé avec des gens hyper sympas, hyper ouverts. C'était incroyable. On a passé vraiment une super soirée. Mais j'espère que aussi ils ont passé une bonne soirée avec moi. Voilà, là j'ai fait vraiment full photo aujourd'hui. J'espère voir des aurores boréales, mais là ça sent vraiment pas bon. Non, il y a trop de nuages, beaucoup trop de nuages. Donc on verra. Dans le dernier vlog, il s'est passé des choses en fin de vidéo. Donc peut-être qu'il va s'en passer encore des choses aujourd'hui. On ne sait pas. J'ai fait des putains de photos aussi avec mon géographical Norway. N'hésitez pas, les amis, je vous rappelle, vous avez un code de réduction GEOTHOMAS10 pour avoir moins 10% sur les prix outlet de la gamme. Donc n'hésitez pas, il y a des pulls comme ça, il y a des pulls verts comme ça, il y a du pull jaune comme ça, enfin bref, moi j'adore celui-là, le jaune là, il est incroyable, il est trop beau. Il y a du pull aussi, pas forcément de couleur, mais des petits gilets, voilà, des petits gilets comme ça. Je vous montrerai ça... Parce que quand il fera jour, ça sera beaucoup mieux. Bon, finalement, les gars, une heure s'est passée. Je vois même pas d'étoiles, je vois rien, du coup. Et je suis extrêmement fatigué. J'ai fait une grosse journée aujourd'hui de tournage, de photos et tout ça. Donc, je vais me coucher. Comme ça, demain, on se lève tôt. On essaie de voyager encore un maximum de... On essaie de faire un maximum de photos, un maximum de vidéos, un maximum de plans drone. Ça aussi, c'est important. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce petit moment vous aura plu. Vous aurez vu des belles images. Je pense que oui. J'aurais bien aimé filmer avec... Nicolas et Sophie aussi également, ce petit moment c'était super sympa, mais voilà, je voulais aussi profiter un petit peu, c'est des expériences comme ça que j'oublierai jamais, moi, de moi-même. Donc, mais entre eux c'était grave cool. On a fait une petite photo, regardez la petite photo que je vous montre actuellement à l'écran, elle est grave cool, non? Voilà, Nicolas et Sophie, merci encore à eux pour leur hospitalité, j'arrive pas à le dire le mot. Et puis, voilà, nous on se retrouve demain. J'espère que demain on aura des aurores boréales parce que là c'est le néant. Voilà les gars, surtout passez une bonne nuit, bonne fin de vidéo, et surtout n'oubliez jamais une chose les amis, c'est en pratique qu'on apprend. Ciao.